Par exemple, les appartements ici sont un petit peu plus grands. Par exemple, un studio, une cuisine, garage pour minimum une voiture. Si vous investissez fort sur un appartement en trois pièces, dans cet immeuble-là, à côté, c'est tout seul, romantique, paradis. Oh, le bonheur, le soleil qui brillait, les petits papillons, les fleurs partout. Et c'était nu. Oh, quel bonheur. Je vais devoir vous couper la parole, chère Madame la guide, et stopper votre volubile discours. M'interposer entre vous et la foule subjuguée par vos statistiques pour nous situer dans l'espace et le temps. Nous arrivons à Santana, autrement dit Satan, pour proposer la visite de ces petites maisons nettes traditionnelles aux toits de chaume. Ah oui, non, mais c'est plus important, hein. Puis, après cette courte visite à Santana, nous reprenons la route longeant le Pacifique jusqu'aux falaises de Peña de Aguilla, que nous pouvons admirer en silence au belvédère de Portela avant notre retour à Funchal. La pointe là-bas, oui. Et c'est la vallée de Fayal vers laquelle on se dirige. Merde. C'est pour vous donner une petite idée. Attends une minute. Très petite idée. C'est tout. Bon. C'est irréel. Ouais. Ça fait toute la différence. Alors, je vous conduirai à cette petite salle dont les tables sont déjà prêtes à de s'accueillir. Oui.